Voilà Olivier. Hola. Ça va? Ça va bien? Ça marche bien? Mais ça va très bien aussi. Tengo muchas, muchas ganas de hacer este en vivo. La receta es una receta de Islas Flotantes, una receta francesa súper tradicional y perfecta para nosotros, que mañana es el Día del Niño para hacerla. Ici, demain, c'est le jour des enfants. Et moi, c'est un de mes desserts d'enfance. Alors, je suis en train de leur dire que c'est parfait pour demain. Ah, super. Perfecto. Olivier, ¿nos quieres contar un poco cómo funciona la receta? Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment fonctionne la recette avant de commencer? Et je ferai un peu de traduction. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors là, en fait, c'est vraiment une recette traditionnelle française qui date du début du 19e siècle. Donc là, on est vraiment sur une recette vraiment typiquement française. Donc en fait, ce qu'on va commencer, on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, c'est que on va commencer à préparer notre lait pour la crème anglaise. Et ensuite, on va s'occuper de nos blancs d'œufs. D'accord. Entonces me dice que, o sea, esta es una receta súper básica, súper de todos los días, sencilla y además es económica. Está en dos etapas. La primera etapa se hace la crema inglesa y la segunda etapa se hace el merengue para las islas. Voilà. Voilà. Entonces, no sé si quieren, les voy a decir un poco los ingredientes. Son dos huevos. Leche y crema, azúcar, que vamos a usar en varias distribuciones, y vainilla, por ahora. Yo estoy lista, Olivier, cuando quieras. Je suis prête. Ok, alors on va commencer, hein. Commençons. Donc, on va commencer par séparer le blanc. Ah, attends 2 secondes, je vais seulement fixer le titre là. Ouais. J'essaye de fixer. Ça me permet pas. No, no alcanzo a fijar el título. Son islas flotantes lo que vamos a hacer. Ça va trop vite. Non, pas ça, nada. On va répéter ça plusieurs fois, de toute façon. Islas Flotantes, con Olivier de Francia, que por cierto tiene un blog que se llama Mi Amatitude. Tiene un canal de YouTube y bueno, yo después les pongo por ahí todos los detalles en la conversación después. On commence? Je te perds un peu là, Olivier. Alors, attends. Je ne t'entends pas. Ah, dommage. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Oui, super. Cool. Entonces, podemos empezar ahora, sí. Là, c'est mieux? Ça va ou pas? Oui, là, c'est parfait. Bon, super. Donc, on va commencer par séparer le blanc des jaunes. On commence par ça. On sépare le Vamos a blanc des jaunes. empezar. Vamos Oui, a empezar marcha. separando las claras de las yemas. Voy a bajar mi teléfono para que se vea un poco mejor. Si alcanzan a ver lo que estamos haciendo, díganme si no para mover la cámara.
listo, las yemas en un tazoncito, las claras en otro tazoncito. Voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre de jaune avec le blanc. Ça, c'est très important. Es muy, muy importante que no se vaya nadita de yema a las claras, porque si no, luego no van a subir. Parce que sinon, en fait, on va avoir du mal à monter nos blancs en neige. Sí. Me dice Olivier, me confirma lo mismo, que no se les vayan a mezclar las yemas en las claras. Tienen que estar así, totalmente sin clara. Alors moi, j'en prépare beaucoup parce que chez moi, on aime vraiment beaucoup ce dessert. Dice que él va a hacer mucho porque a ellos les gusta muchísimo ese postre. Aquí vamos a preparar un poco menos porque todavía no es la hora de la comida y entonces va a ser una pre-comida. Y si c'est pas encore l'heure de manger, y si on mange à 2 heures de l'après-midi, alors moi ça va être un pré-déjeuner. Bah, à la limite, c'est pas grave, on met ça au frigo, ce sera le dessert. Ah, dice que también que sí es un postre que espera y que se puede poner en el refrigerador. Alors, voilà. Une fois qu'on a séparé le blanc des jaunes, dans un premier temps, en fait, on va venir quand même préparer notre lait et ensuite, eh bien, on va venir monter nos blancs en neige. C'est ce qu'on va faire en premier. Donc on prend le lait, on va prendre le lait, moi j'ai préparé 75 centilitres de lait. Alors moi je vais mesurer ça. Donc antes que nada vamos a tener nuestras cosas preparadas y entonces yo tengo que poner aquí 200 mililitros de leche. Los vamos a poner en este. Alors, est-ce que tu mets ça dans la casserole déjà? Je mets dans la casserole. Voilà, je mets dans la casserole. Ah, entonces esto se pone voilà. En la ollita. Voilà, dans la casserole, si on a du sucre vanillé, on le met aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu mets de la crème dans ton lait? D'accord. Moi, je vais en mettre parce que ici, c'est pas la Normandie. Elle va poner pura leche. Elle va poner pura leche et je vais poner leche con un poco de crema porque tiene que ser. Aquí, nuestra crema no es suficientemente grasosa. Digo, nuestra leche. Y de una vez se agrega el azúcar. Si tienen azúcar con vainilla, se agrega el azúcar con vainilla. Y si no, se agrega o una vaina de vainilla o unas gotas de extracto. Que es lo que yo voy a hacer. Alors, moi, je vais mettre de la vanille, comme ça. Ouais. Moi, j'ai ça. Voilà. La gousse de vanille aussi, on peut la mettre. Ah, tu as de la chance. Moi, là, il aurait fallu que je traverse la ville et évidemment, ce n'est pas possible. Ouais. Es muy sortudo, Olivier, que si tiene vaina de vainilla, nosotros aquí, pues no, ahorita no tenía yo manera de conseguir. Así que le agregamos un chorrito de vainilla y le voy a agregar, es muy poquita el azúcar, de hecho son 30 gramitos de azúcar, nada más lo que voy a poner. Et donc là, on va faire bouillir le lait. Y se calienta. Ah, y ahora se pone a hervir la leche. Voilà, on va le surveiller, mais on va le faire bouillir. D'accord. Entonces, hay que supervisarlo para que no vaya a desbordarse, pero sí tiene que hervir. Voilà. Pourquoi on fait ça maintenant? Parce que en fait, le fait de faire bouillir le lait avec la vanille, après, en fait, on va le laisser infuser avec notre vanille. En fait, il va prendre toute l'odeur de la vanille, notre lait.
Donc, c'est pour ça qu'on commence par ça. Et ensuite, on va s'occuper de monter les blancs en neige. D'accord. Dice que primero hervimos la leche porque así se puede hacer una infusión. Y se concentran más los sabores. Y mientras esta se enfría, vamos a hacer las... Vamos a batir las claras. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut oui. parfumer la crème anglaise à autre chose? Estoy preguntándole si podemos perfumar con otra, con algo más. Quand elle est terminée, donc la recette traditionnelle française, c'est non. Mais moi, j'aime bien rajouter, par exemple, soit un petit peu de rhum, parfois un petit peu de fleur d'oranger. Ça, voilà, ça va donner des saveurs particulières qui vont vraiment, je dirais, donner une autre saveur globale au dessert. D'accord. Entonces me dice que bueno, la tradición indica que no se puede perfumar con otra cosa, pero ya a él le gusta ponerle agua de flor de azahar y que le da otro sabor, otra cosa. Yo creo que igual podríamos usar cáscara de naranja o cáscara de limón para hacerlo diferente una vez que lo tengamos dominado. Ça bout presque. Alors voilà, donc quand ça va être à ébullition, on arrête et on coupe la casserole du feu. Hein. D'accord. Dès que ça bouge, arrête. Ouais, dès que ça commence à bouillir, en fait, on arrête. Dice que en el momento que empiece a hervir, se para. Voilà. Yo aquí casi, pero todavía no. Ça prend longtemps à Mexico avec l'altitude. En la Ciudad de México toma más tiempo. Si están en cualquier otro lugar del país que no sea Toluca, que es más alto aún, o algo así, va a estar más rápido. Ah, ça sent bon quand même. Ya huele muy rico así, nada más. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà, ça c'est vraiment une première partie, je dirais, relativement simple, mais importante. Dice que es un procedimiento muy sencillo, pero importante. Voilà. Quand j'en ai ça ici. Et je vois coupepad.fr qui dit on sort du feu à ébullition. Oui, on sort du feu à ébullition. Voilà. Parfait. Là. Allez, c'est ça. C'est bon? C'est bon. Alors, ce qu'on va faire, donc ensuite, là, moi, j'attends un tout petit peu parce que j'ai mis pas mal de lait, vu que je fais une quantité plus importante. C'est presque à ébullition, mais c'est tout bon, donc je vais pousser. Donc là, on arrête la plaque, on pousse sa casserole et on va s'occuper de nos blancs d'œufs. Donc, pour les blancs d'œufs... Il y a plusieurs techniques en fait. C'est soit d'utiliser un batteur. Moi ici, j'ai un robot pâtissier. Mais pour ceux qui n'ont pas de robot pâtissier, en fait, voilà, j'ai un batteur à main traditionnel. Ça fonctionne très bien. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on peut également monter ces blancs en neige et avec le robot pâtissier et avec le batteur traditionnel. Voilà, vous voyez, c'est un batteur tout simple. Il n'est même pas électrique. Voilà, il est à main. Et je vais faire ça. Donc, on commence par monter ces blancs en neige. Et entonces dice Olivier que tenemos dos opciones. Una es usar nuestro batidor de globo y otra es usar la batidora. Ya, o sea, la de él no es eléctrica, pero nosotros vamos a usar la eléctrica para que sea un poco más rápido. Voilà, il va y avoir un peu de bruit, un peu de bruit. Sí, vamos a hacer un poco de ruido. Perdón. Thank you.
Seguimos batiendo, creo que perdimos a Olivier. Olivier, ¿tú la? Estamos haciendo unas islas flotantes, Nori. Perdimos a Olivier, estamos haciendo el merengue. El merengue. Alors, est-ce que on devrait couper et recommencer? Tenemos, creo que Olivier tiene problemas con su cámara. Vamos a cortar y volver a empezar. Sí, es un postre buenísimo. Voy a ver si se conecta. Oh, no, se van a caer mis claras. A ver. Ahí está. Estamos, ya se conectó Olivia otra vez, estamos esperando. Voilà. Ah, super. Alors, j'en suis à ce point. Est-ce que je rajoute le sucre, là? Alors, moi aussi, je montre que le batteur à main, il est très, très efficace. Regardez, hein, voilà, ça, c'est le batteur à main. Ils sont impeccables. Et ce qu'on va faire, oui, on va mettre... Alors, moi, j'ai du sucre glace, 30 grammes de sucre glace. Sinon, le sucre classique, c'est bien aussi. Pourquoi je prends du sucre glace? Parce que dans les œufs, en fait, ça va permettre de mieux se mélanger que le sucre semoule traditionnel. Voilà. D'accord. Et on m'a demandé, j'ai vu des petites questions, est-ce qu'on peut aromatiser les œufs, les blancs d'œufs? On peut mettre, si on veut, toujours pareil, pour celles et ceux qui aiment la vanille, l'arôme de vanille, on peut mettre un tout petit peu d'arôme de vanille. Attention sur l'arôme de vanille liquide, que ça ne vienne pas perturber un peu le mélange de vos œufs. Mais là, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va mettre du sucre, on va remélanger et ensuite on passera à la cuisson. D'accord. Entonces dice que, bueno, él le va a poner azúcar glass. Ah, yo no tenía azúcar glass, voy a usar azúcar tradicional, que cambia un poquito la consistencia de azúcar refinada. Y de la pregunta de perfumar la crema, sí se puede perfumar con otra cosa. Cambia la receta tradicional, pero... Donc le sucre, le petit conseil, c'est souvent de le mettre en deux fois, c'est-à-dire qu'on met une première fois à peu près la moitié, on va mélanger et on va le remettre une deuxième fois pour remélanger. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient vraiment se mélanger dans l'intégralité de nos blancs d'œufs. Donc on peut le mettre en deux fois. Si on l'a mis en une seule fois, c'est pas grave, ça va fonctionner. Mais le petit truc, voilà, c'est bien de le mettre en deux fois et de mélanger en deux fois en fait l'ensemble de nos œufs. Ok, dice Olivier que lo mejor es poner el azúcar en dos partes. Yo la puse en una sola. Pero que la mejor manera para que cuaje es poner la mitad exactamente el azúcar en dos veces. Gracias, Puli, de Cookpad México, por apoyarme.
Voilà, ça c'est super. Il faut retourner le bol pour voir si c'est bien ferme. Dice que hay que voltear el tazón para ver si están bien firmes. Estas... Si ça coule pas, c'est nickel. Ça coule pas, c'est bon. Voilà. Donc ça, en fait, maintenant, je monte un peu le son parce que, voilà. Ça, en fait, maintenant, je vais moi aussi les mettre dans un saladier et on va prendre un film alimentaire, un film transparent pour venir couvrir le saladier. D'accord. Entonces dice que bueno, lo vamos a cocinar en el mismo tazón y lo vamos a cubrir. Digo, claro, si lo hacen en uno chiquito. Si lo hacen en un tazón grande, lo vacían en un tazón más pequeño, se va a cubrir con este Egapac, papel film, y así se va a cocinar en el microondas. Pues yo nada más lo voy a emparejar un poquito aquí. Vengo por mí. La envoltura plástica con un corriente. Et on va venir faire une cuisson ultra rapide parce qu'on va venir faire cuire en fait au micro-ondes, ce qui est quand même beaucoup plus simple que de faire la cuisson. Normalement, la cuisson traditionnelle sur l'île flottante, c'est de faire un bain-marie et de faire cuire ses œufs sur des œufs à la neige, qui était en fait la première recette, c'est de les faire cuire dans du lait. Donc nous, on va gagner du temps et on va venir faire cuire au micro-ondes. Claro, me explica Olivier que traditionnellement, es una receta que se cocinaba hirviendo la leche y se cocinaban pochándolos en la leche y después se cocinaban otra manera es en el baño María. Nosotros lo vamos a cocinar express en el microondas. Donc, on prend un film alimentaire. Voilà. Super. On court. Mm-hmm. Alors moi, j'ai un gros saladier, hein, parce que vraiment, c'est des gourmands chez moi. Ah oui, ça, c'est, ah oui ben c'est très bien, ça. Et donc ensuite, on va venir faire cuire en deux fois au micro-ondes. Se va a cocinar en dos partes en el micro-ondas. Parce que, en fait, en fonction de la puissance du micro-ondes, parfois, si on faisait en une seule fois, nos blancs pourraient être trop cuits. Dice que si el micro-ondas es muy potente, si lo hacemos en una sola vez, se pueden cocinar de más. Donc, on a filmé et donc on va mettre on met au micro-ondes une première fois 45 secondes. Ah, entonces la primera vez en el microondas 45 segundos. Hola Angélica, hola hasta Santiago de Chile. Un bonjour du Chili. Bah alors ça c'est magnifique. Hola amigos de Chile. La première cuisson, voilà. La première cuisson est terminée. Une première fois. Gonflé, hein. Les œufs ont gonflé. Ah oui. On va mettre une deuxième fois. Moi, j'ai l'impression que les miens devraient être plus ou moins prêts là. Je pense que là, 45 secondes, peut-être encore 15 à 20 secondes pour qu'ils soient cuits à cœur. D'accord. Donc, pour les miens, je sens comme qu'ils sont, mais me dit que les mette autres 15 à 20 minutes. Secondes, quiero decir, pour que se cocinent un peu mejor. Se infla, se hace una cosa muy, muy divertida. Ouais. C'est pour ça en fait qu'il faut faire cuire en deux fois pour voir en fait, je dirais, ajuster la cuisson, tout simplement. D'accord. Ah, on nous fait bonjour depuis El Paso, Texas. Hola Gloria, besos hasta El Paso. Voilà. Oh, je crois qu'ils ont trop cuit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, ça dégonfle.
Est-ce que c'est normal ça, Olivier? Je regarde. Attends, je te montre ça. Donne-moi 2 secondes parce que c'est chaud. Là, ils ont bien gonflé. Hein. Voilà, je vous montre moi. Ah, les miens, ils ont dégonflé. Ah, bon. Bah, alors là, mais peut-être que, en fait, alors, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est de s'assurer que, comme ils ont gonflé une première fois, le papier, en fait, le film alimentaire est bien recouvert à l'intégralité. Voilà, là par exemple, ici, moi on voit, ils sont bien gonflés. Oui. Et ils sont toujours bien, quoi. Mais bon, la texture est bien. Dice que hay que tener cuidado. A mí se me desinfló un poco, pero de textura se ven bien. Voilà, je vous montre à la caméra, on a une belle texture. Je pense que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une très très belle texture. Voilà, ils rebondissent un petit peu, mais ils sont impeccables. Ben les miens, ils rebondissent. Enfin, j'ai l'impression que c'est bon. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu mon bol qui fait que ça fait un peu une méduse. Mais je vais m'en servir pour la présentation. Ça. Ouais. On va se débrouiller avec, c'est pas grave, c'est impeccable. Hein. Vraiment, voilà, ça dépend aussi de la puissance du micro-ondes. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire en 2 fois, parce que, en fait, voilà, pour s'éviter justement que la cuisson des œufs soit trop, trop importante. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent à l'intérieur, c'est comme ils sont peut-être, s'ils sont trop cuits à l'intérieur, ça va durcir, la partie aérée, en fait, va se coller. Et donc, pas forcément être très très bon en bouche, mais là par exemple il y a forcément des choses sur le tout le tour, ils vont être très très bons quand même. Exactement, le estaba diciendo, bueno, el mío probablemente porque de textura está bien, es como un malvavisco, verdaderamente tiene una super textura, no está muy duro, y pues vamos a tener que aprovechar la forma que tiene para montarlo. Dice que sí es muy, muy, muy importante hacerlo en varias veces porque la potencia del microondas puede jugar en contra nuestra y puede ser que estén demasiado duros y que se vuelvan a hacer como si fuera un huevo duro. Voilà, on me demandait la puissance du micro-ondes. Moi, le mien, c'est un 800 watts, donc c'est pour ça que je fais toujours en 2 fois. Ça, c'est très, très important. Toujours, toujours faire en 2 fois. Mais il y a des micro-ondes qui sont à 900 watts, certains à 1000 watts. Donc, ça veut dire que le temps de cuisson, il faut le faire une première fois à 40 secondes. Et puis ensuite, il faut adapter un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut regarder un peu ces blancs d'œufs. Et je pense que parfois, il faut faire cuire une minute dix le tout, en fait, au lieu de le faire, par exemple, 2 fois 45 secondes. Voilà, c'est la puissance du micro-ondes qui va vraiment être, je dirais, faire la différence au niveau de la cuisson. Ça, c'est voilà, c'est vraiment le truc un peu piège, on va dire. Je vais expliquer ça. Dice que, evidentemente, en cada microondas cambia. El de él es de 1200 watts. Creo que el mío también, y además es inversión. Si es de 900 watts, va a tardar mucho más tiempo y que hay que irlo conociendo. Es un postre que hay que hacer muchas veces, jugar con él y a lo mejor poner una sola vez en un minuto en lugar de 2 veces es suficiente en su microondas. Entonces, yo los invito a que lo hagan muchas veces porque les va a encantar además. Une fois qu'on a fait cuire, eh bien, on laisse de côté, en fait, voilà, on va laisser de côté et on va reprendre la préparation de notre crème. Nos dice que una vez que están cocidos, se reservan y vamos a retomar la preparación de la crema. Donc, on va d'abord s'occuper, en fait, de nos jaunes d'œufs qu'on avait séparés tout à l'heure. Donc moi, je les ai mis dans un saladier. Donc nos jaunes d'œufs. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ce qui est important, en fait, c'est voilà, c'est de prendre des produits de qualité. Moi, je prends les œufs bio ou pour les Français, en fait, les 1. Mais jamais, en fait, les 2 ou les 3, c'est-à-dire jamais des œufs qui sont élevés, des poules qui sont élevées en cage, etc. Ne prenez pas ça. Franchement, là, on est sur de la malbouffe. Dice Olivier que es muy importante usar huevos orgánicos. Acá en México serían orgánicos o de libre pastoreo, no usar huevos de granja enorme comercial, porque el sabor cambia mucho. Y bueno, las hormonas que también nos afectan.
Donc on a nos œufs et on va prendre notre on va prendre 75 grammes de sucre. Alors moi aussi, je prends pas du sucre blanc raffiné, je prends du sucre roux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le même principe que les œufs. En fait, le sucre roux, il est pas raffiné et il est largement meilleur pour notre corps. Le corps l'assimile mieux. Donc ce qui fait que ça évite quand même un certain nombre de problèmes de santé que l'on peut avoir par la suite. Dice que él va a usar azúcar moreno. Por los mismos motivos, porque es un azúcar completa y es mucho más saludable para nosotros. Alors moi, rien que pour me faire plaisir, parce que ça va être le jour des enfants, j'ai pris du sucre raffiné, mais sinon, en général, je me sers soit de sucre de coco, soit d'un sucre qui est encore moins raffiné que le sucre brun. Entonces, lo pueden reemplazar por piloncillo, por azúcar de coco, por azúcar moreno. Yo nada más porque ya estamos pre-festejando el Día del Niño, que es mañana en México, me voy a llenar de azúcar. Voilà, donc on verse le sucre bien dans ces jaunes d'œufs. Entonces, se pone el azúcar en las yemas. Bueno, primero rompamos, se rompen un poco las yemas y se le agrega el azúcar. On mélange le tout. Y se mezcla todo muy bien. Alors, comme j'ai pris du sucre qui est absolument pas raffiné, c'est sûr que je vais avoir une crème anglaise qui va être légèrement colorée parce que, en fait, là, mes jaunes vont avoir changé de couleur. Je vais essayer de vous montrer ça. Non, on ne voit pas très bien. Voilà, si là, on voit, vous voyez, là, en fait, on est sur quelque chose qui est un peu... on est sur du marron, mais ce n'est pas grave. En fait, là, c'est vraiment important. Et moi, je suis vraiment là-dessus. C'est vraiment très, très important de manger, en fait, des produits qui, on peut se faire plaisir, mais vraiment, en même temps, tout en faisant très attention à notre santé. Dice que él recomienda siempre usar alimentos lo más naturales posibles para comer muy rico, pero al mismo tiempo cuidando nuestra salud. Alors, est-ce que je dois les blanchir? Oui, un peu, oui. Oui, oui, tout à fait. Entonces hay que batir hasta que blanquee. Ah, voilà. C'est bon. Los míos sí quedan mucho más claritos. Voilà. Oh non, creo que perdimos a Olivier. Olivier, es-tu là? Olivier. Ah. Entonces, Olivier otra vez tuvo un poco un problemita de conexión, pero lo esperamos sin problema. Ahorita seguramente se reconecta. Ahí está. Ah, me sé un comio maintenant. Là, c'est sí, vraiment top. Ahora sí, lo tiene una conexión buenísima. Donc, quand c'est prêt, eh bien, on reprend notre casserole de tout à l'heure. Ça sent la vanille, hein. Y a aucun souci. Claro, retomamos la leche. Voilà, on va laisser, pour l'instant, on laisse la casserole sans mettre de feu dessous, hein, pour l'instant. Et on va venir... Por ahora, no se le pone fuego. Je vais tempérer mes œufs parce que sinon... Entonces, lo que voy a hacer ahorita es temperar los huevos, quiere decir que voy a agregar un poco de leche caliente para que no vaya a estar demasiado caliente y no se me vayan a convertir en huevos revueltos. Pues agregué un poco de leche nada más para igualar la temperatura del huevo. ¿Es que tú ya habías hecho tes jaunes dans le lait? Oui, je verse l'intégralité de ma préparation dans le lait et je vais mélanger un petit peu pour que ça s'incorpore avec mon lait. D'accord. Si vous avez mis, et donc, n'oubliez pas de l'enlever avant. Hein.
Ah, dice que si tiene la vaina de vainilla, hay que quitarla ahora. Y bueno, entonces ahora se agrega los huevos al resto de la leche. Voilà. Et on va un petit peu. Y se mezcla. Todo esto sin prender el fuego. La gousse de vanille, pour celles et ceux qui ont de la gousse... la gousse de vanille, pour celles et ceux qui ont de la gousse de vanille, c'est pas parce que vous l'avez mis dans le lait qu'il faut la jeter. Vous la faites sécher et vous pouvez la réutiliser. Dice que si hacen la receta con vaina de vainilla, no es porque la quitan de la leche que se tira. Hay que recuperarla, secarla y se puede volver a utilizar. Se puede hacer azúcar vainillado. Alors, est-ce que je fais bouillir maintenant? Alors, surtout pas. Là, on met sur un feu moyen. À feu moyen. D'accord. Entonces, ahora se pone a fuego medio. Et on est tout le temps en train de remuer. Il faut toujours remuer. Y se mueve constantemente. On remue et en fait, on va venir faire cuire doucement notre crème anglaise. Elle va légèrement s'épaissir, c'est-à-dire qu'en fait, elle va napper. Voilà, donc on va faire cuire environ, je pense, 4-5 minutes. Ça risque d'être prêt, mais à feu moyen, voilà, pour pas en fait brûler. C'est très important de bien remuer, il ne faut pas que ça brûle au fond de la casserole, sinon bah, ce n'est pas très très bon, hein. Je dirais même que c'est presque raté. Perfecto. Entonces dice que hay que cocinarlo a fuego bajo 4 o 5 minutitos hasta que nape la cuchara. Ahorita les enseñamos cuál es el punto napaje. Que no vaya a hervir porque se les hacen huevos revueltos, entonces hay que cuidarlo y a temperatura bajita. Bajita a media, según su olla y su estufa. Perfecto. Et pour ceux qui ont une cuillère en bois, pendant cette opération, bah, je dirais que c'est encore mieux en fait. De pouvoir remuer sa crème anglaise avec une cuillère en bois, c'est super. Dice que lo mejor es mover la crema inglesa con una cuchara de madera. Ay, 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 sapo. Pourquoi en fait? Parce que on va pouvoir vérifier la texture au fur et à mesure. Dice que lo mejor es, o sea, es lo mejor porque así podemos verificar la textura conforme la estamos cocinando. Donc on la laisse cuire 4-5 minutes. Alors si on rate la cuisson, ce qui peut arriver, on peut rater la cuisson, on peut la faire trop cuire. Eh bien, je vais vous donner une astuce. Surtout, vous ne jetez pas votre crème, je vous donne une astuce pour la récupérer. Dice que si se les cocina de más, no la vayan a tirar, que ahorita nos va a dar un truquito mágico para recuperar la crema. Entonces, hay otra cosa, y es que si quieren que su crema inglesa esté un poco más espesa, se le agrega un poquito de maicena. En la receta están las cantidades de maicena, y aquí la estamos haciendo clásica sin la maicena. Olivier, regresa, por favor. Lo bueno es que es rapidísimo. Ya ahorita está conectándose. ¡Oh, bonjour! Voilà, me revoilà. Donc, si elle est trop cuite,
si elle est trop cuite, elle va former en fait, elle va pas être lisse, elle va être granuleuse la crème. Et donc, comment on va la rattraper? Vous prenez une bouteille en verre. Voilà, on prend une bouteille en verre. On verse l'intégralité de sa casserole dans la bouteille en verre. On la ferme, moi je la ferme, et on la secoue. Et en fait, vous la passez au shaker dans une bouteille en verre. Et vous récupérez votre crème anglaise, elle sera nickel. Dice que si se le llega a pasar de cocción, en lugar de estar lisa, se va a poner granulosa. Y entonces lo que hay que hacer es que hay que echar toda la mezcla en una botella de vidrio con tapa, se tapa y se sacude. Y cuando se sacude, se vuelve a hacer lisa. Ah, c'est bon ça comme, comme truc. Y así les va a quedar perfecta. Bah oui, il faut partager les Alors, trucs. J'y suis. Les voy a enseñar ah. el... Donc, el punto. Cuando napa la, pues, la cuchara, quiere decir que tapa así. Ay, no se ve. A ver, tapo. Donc, quand on y Tengo est, problemas, quand, elle est prête, hein, quand elle est prête, hein, elle a un petit peu épaissi. Et bien, on va pouvoir commencer à dresser notre dessert. A ver, les voy a enseñar. El punto tiene que ser así, en la cuchara. Si hago esto y se queda separado, quiere decir que ya está. Me lavo las manos. Ahora es como me yo cuando no. Es como me yo cuando no. Est-ce que tu m'entends, Olivier? Oui, ça y est, c'est bon. Ah, super. Est-ce qu'on va rajouter du rhum? Alors oui, si on veut aromatiser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, on peut ajouter du rhum. Moi, c'est ce que je vais faire aussi parce que les gourmands à la maison, bah, ils aiment bien avec le rhum. Donc, on y va. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose d'autre hein? Quelque chose d'autre, je l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne avec de la fleur d'oranger. Ça fonctionne aussi avec de la fleur de rose. La fleur de rose, ça aussi, c'est vraiment extraordinaire, en fait. Voilà, moi, ce sont voilà, plutôt sur ces parfums-là, parce qu'après, en fait, ça dénature un tout petit peu le goût. Si on met un sirop quelconque, en fait, ça va venir sucrer et ça va enlever le goût de la crème. D'accord. Entonces, dice que se puede, esta también se puede perfumar con agua de rosa o con agua de flor de azahar. Le vamos a poner un chorritito de ron, que dice que ese sí está bien, porque en su familia les gusta. Entonces yo también le pongo una gotita de ron. Y entonces va a quedar como un poquito, como un rompopito, de hecho, va a ser como una salsa de rompope. Alors, ¿es cómo va a ser du caramel? En México no conseguimos, allá tienen un caramelo ya listo, embotellado, y en México no tenemos. Ah, ça sent bon. Je vais vite faire un caramel pour dresser, Olivier. Parce que j'ai pas ça. Voy a hacer rápido un caramelo en sartén. Ma crème est cuite, mais j'ai pas de caramel. Alors je vais vite faire un caramel pour dresser ça. Entonces, como aquí no conseguimos caramelo, voy a hacer rápidamente uno para montar con una sartén sin mover. Soy muy osada. Normalmente hay que hacerlo en algo con una base clara para ver el punto del caramelo, pero no tengo. Entonces, y quiero caramelo. Así que vamos a jugar aquí unos minutitos. Este sí se pone a fuego alto. Y mientras se lanza esto, voy. ¿Pardon? Je disais, quand c'est prêt, quand c'est cuit, on va pouvoir dresser. D'accord. Notre terre. Merci, Pauline. Elle dit que je parle très bien français.
Ah ben, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement. Oui, ça aide. Ah oui. Entonces, bueno, en el momento que esté mi caramelo, vamos a montar el plato. Voy por un plato para servir. No me tardo. Alors, Lorraine dit qu'elle n'a pas entendu. Alors, je disais qu'on allait, en fait, on allait dresser une fois que c'était prêt. Entonces, que en el momento que esto esté listo, lo vamos a montar. Entonces, normalmente se le ponen... para decorar almendras fileteadas o cosas así. Alors moi, je vais faire une petite Mexican touch. Je vais mettre des graines de courge que j'ai grillées. Super. Et ça, c'est très bon avec le caramel. Le vamos a dar un toque ligeramente mexicano. Nosotros, yo le voy a poner unas pepitas tostadas, porque pepitas y caramelo sabe a petitoria. Bon, mon caramel, il ne... pas encore, mais ça va venir. Ah, mi caramelo. Para que vean cómo lo hago. Entonces, yo puse, si se fijan, parece que empiezan las orillas y el resto del azúcar no pasa nada. Eso es normal. Aquí puedo bajar un poco mi fuego. Ahí está. Voilà, el caramel se prepara. Moi, je vais faire juste après, moi. No se mueve, no se mueve. Aquí ya se empieza a mover y solito se va a empezar a deshacer. Los quito de aquí, ahora les... Ahora sí, ya lo puedo mover. Voilà, moi j'ai commencé à dresser. Moi j'arrive 2 minutes et je suis prête. Ouais, j'arrive après sur le caramel. Voilà. Alors, on peut mettre des amandes effilées. Un truc aussi qui est pas mal, c'est en fait de torréfier ces amandes effilées avant de les mettre sur son dessert. Pourquoi les torréfier? Tout simplement parce qu'en fait, en les torréfiant, vos amandes, elles vont dégager encore plus de saveur. Et donc, quand vous allez venir mettre vos amandes effilées sur votre dessert avec des amandes effilées torréfiées, ça va effiler avec le caramel, c'est juste super. Et voilà. Entonces, el caramelo ya está listo. No le agregué agua, no le agregué nada. Que esté de color ámbar. Ahora là, je peux dresser. D'accord. Donc, alors, les amandes... Quiero ver qué es lo que hace Olivier, cómo lo monta. En fait, ça va dépendre de la quantité qu'on va faire. On peut le faire au four 180 degrés, 4-5 minutes, et on peut le faire à la poêle. Moi, je vais bien le faire au four. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis aperçu que c'était un mode de cuisson qui répartissait l'intégralité de la chaleur voilà, sur des... Est-ce qu'on m'a entendu pour les amandes torréfiées? Oui.
Dice que para tostar las almendras, si es que van a poner almendras tostadas, las van a poner, se pueden hacer en el horno a 200 grados, con unos cuantos, revisándolos, evidentemente, o se pueden hacer, perdón, salud, o se pueden hacer en sartén, que fue lo que yo hice, calientan la sartén y las mezclan, y en el momento que empiezan a cambiar de color y tienen un aroma de almendra tostada, ya están. On peut aussi prendre un tout petit peu de chocolat de type cacao, chocolat amer, qu'on va venir saupoudrer les... Claro, dice que también se puede poner, se puede tomar este... chocolate en polvo, cacao, y también se le puede poner sobre el caramelo, o también se puede agarrar una barra de chocolate bien fría y rallar para decorar las islas. Je t'ai perdu, Olivier. Je ne t'entends plus. Mon caramel durci. Ah, là, il est bon. Olivier, regresa, por favor. Ça y est, c'est bon. Ça va? C'est bon. Si. Alors, comment est-ce qu'on va dresser ça? Je suis très curieux. Moi, j'ai commencé, regarde. Voilà, j'ai commencé, regarde. D'accord. Donc, je lo que voy a hacer es que voy a hacer un plato más grande. J'ai mis un peu de la crème anglaise, quelques amandes effilées, et je suis en train de finir mon caramel. Se pone crema inglesa. Luego por encima se pone la isla. Ya lo voy a hacer muy gigante. Voy a poner este cups aquí así. Y luego se le pone caramelo. ¡Ah! Que ya está muy duro. Voy a suavizar un poquito el caramelo. Voy a agregar un poquitito de agua al caramelo para hacerlo más como salsa. Cosita de nada para que quede más salsa de caramelo que regreso en un segundo. Perdí mi cuchara. Los voy a salsear con un poco de caramelo. Olivier est reparti, alors je le... Voilà.
Ouais, c'est bon, ça y est, je suis revenu. C'est super, hein, le caramel, nickel. Je vous donne une petite astuce ici pour le caramel. Le caramel, en fait, alors, on fait un caramel, ce qu'on appelle, voilà, on fait juste, cuire son sucre. Mais si vous voulez le travailler un tout petit peu pour éviter, en fait, qu'il durcisse trop rapidement, je vous conseille de mettre, si vous avez, par exemple, moi, j'ai fait 50 grammes de sucre, vous mettez une cuillère à soupe de sirop de glucose. Vous mettez une cuillère de sirop de glucose et vous faites votre, vous mélangez avec votre caramel. Vous allez pouvoir le travailler plus longtemps, ce qui est beaucoup plus facile, en fait, beaucoup plus pratique. Dice que si quieren evitar que... Oui, c'est tout à fait un hibis. Dicen de Copa Francia que el mío es más un nido que una isla, en efecto. Sí, ni la hawaiana, yo digo que es una isla hawaiana que hace esto. Dice Olivier que si quieren que el caramelo no se ponga duro, le agreguen al azúcar un poco de, o de miel caro o de jarabe de glucosa para que se mantenga líquido. Y no les pase como a mí, que ya... endureció, pero aún así lo puedo recuperar. Luego, en base a este, les voy a proyectar, les pongo una salsita. Voilà, par ejemplo, que ça donne. Y aquí está mi nido flotante. Voilà. Voilà. Voilà, on descend là. Merci beaucoup, Olivier. Ce fut un gros plaisir. Merci à toi. Franchement, c'était, voilà, c'était un super plaisir. Voilà, je dirais tout simplement bon appétit. Voilà, bon appétit. Régalez-vous. Faites cette recette. Refaites-la. C'est une recette facile, vraiment. Enfin voilà, moi je pense qu'on n'a pas eu trop de difficultés. Il y a 2-3 petits passages sur lesquels il faut faire attention. C'est la cuisson de la crème anglaise. Et je vous ai donné des astuces pour pouvoir la récupérer. La cuisson des œufs aussi au micro-ondes. Parfois, ben oui, en fonction de la puissance, on peut avoir. Ah, il nous reste 28 secondes avant d'être coupé. Hasta luego a todos, porque se está cortando esto. Ça va couper, Olivier, ça coupe tout seul. Je t'embrasse très fort, merci à tous, gracias a todos, les mandamos.